Simplon, c'est un organisme de formation sociale et solidaire qui propose des formations sur des métiers du numérique. Et la particularité qu'on a, c'est que ce sont des formations gratuites. Et c'est une formation qui est ouverte à tout public, mais en priorité à des profils à fort potentiel qui sont en recherche d'emploi ou peu ou pas diplômés. Simplon existe depuis 4 ans et a connu une très forte croissance. Notre troisième exercice, notre dernier exercice, a affiché un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros. Et c'était notre premier exercice à l'équilibre, c'est-à-dire bénéficiaire net. Là, actuellement, nous sommes dans le cadre d'une levée de fonds assez importante qui vient d'être confirmée. On a un objectif d'un peu plus de 5 millions d'euros pour le prochain exercice fiscal. À chaque fois qu'on parle de davantage de revenus, évidemment, étant qu'on est une entreprise sociale et solidaire, l'objectif, c'est que c'est réinjecté dans le projet. Donc, ça veut dire impact démultiplié, ça veut dire continuation de l'effort de structuration de notre utilité sociale et tout ça. Donc les perspectives, c'est continuer à développer de nouvelles formations, continuer à aller voir de nouveaux publics, s'il y a encore tout un tas de publics qu'on ne connaît pas très bien, comme des personnes qui sont en situation de handicap particulière ou les seniors en reconversion, et aussi continuer à déployer sur des territoires où il y a un besoin de compétences identifiées sur des métiers numériques accessibles à des profils, on va dire, à fort potentiel, mais qui n'ont pas de prérequis de diplôme ou autre.